hospitalier du territoire, sur le département. Tous les hôpitaux sont membres du groupe. Monsieur le directeur de l'hôpital psychiatrique refuse de participer à ce groupe. C'est scandaleux. Je veux dire, ça scandaleux, essayer de m'attaquer à une personne, contrairement à la règle, contrairement à la loi. Parce que ce que nous disent les médecins, c'est qu'il y a une urgence aujourd'hui à travailler à sortir de ces séparations, le monde psychiatrie avec le reste de la médecine. Aujourd'hui, c'est complètement fermé. Il y a un refus total de coopération et je trouve ça, je vous le dis, hyper gravité. Il y a des messages, c'est très grave. Voyons quoi après, on va désigner les EHPAD, les trucs. Non, le premier boulot, c'est quand même d'arrêter ce segment de population, cette ségrégation, cette différence, parce que le monde psychiatrique, ça va jusqu'à des problèmes de comportement intégriste. On a dans ces articles quelques cas où il n'y a pas eu de signalement. Je ne vous dis pas, le jour où il y aura un pépin et qu'on découvrira qu'il y a eu un refus de signalement en psychiatrie, là je fais la ligne. J'attends pour la faire. Le maire, au moins, il a posé un peu avant les autres. Mais comme j'ai vu arriver des attaques, je vous jure que je suis totalement scandalisé que le directeur de la psychiatrie refuse d'être autour de la table avec les autres établissements pour partager. Parce que vous savez bien aujourd'hui une séparation, ce que vous avez par rapport à la déprime, par rapport à des maladies temporaires, par rapport à l'alcool, il n'y a plus de séparation entre le schizophrène, c'est le modèle classique. Puisqu'on rencontre aussi bien dans nos débats, la démence sénile, il faut d'abord qu'il y ait une coopération, un rassemblement des acteurs approfondis. Je ne m'attendais pas du tout à parler de ça, mais comme peu le monde, peu le savent, c'est un gros sujet, personne ne connaît, mais j'imagine quand même que c'est un point clé de la mise en réseau du rassemblement. Je compte sur vous pour passer ce message à l'égard de ce directeur. Bien efficace. Pierre, il n'y a pas de voix.